Bismillah. Bowden Abbey. Luke avait aimé cette maison, enfant. Et le parc, les fermes, le village, il détestait la quitter. Autrefois, il n'avait supporté le collège et l'université que grâce à la perspective des vacances. Peut-être n'aurait-il jamais eu à partir sans cette lamentable histoire avec George. Il redoutait de s'y retrouver, mais il redoutait plus encore les souvenirs, bons ou mauvais, qui s'attachaient à la demeure. Il se rappelait sa joie quand George était rentré de son tour du monde, bien qu'il eût toujours adoré son aîné. Les 4 ans de différence les avaient parfois séparés, quand ils étaient plus jeunes. Au retour de George, l'écart semblait s'être réduit. Ils étaient tous deux des adultes et ils ne s'étaient plus quittés de plusieurs semaines, parlant, montant à cheval, pêchant, jouant au billard. La trahison de George avait frappé Luc de plein fouet et il ne s'en était jamais vraiment remis. George et Henrietta. George violent Henrietta. Non, à 30 ans, Luc refusait ce mot. La séduisant peut-être. Il avait dû croire la jeune fille consentante, parfois en se laissant aveugler par la force de son désir. Mais même l'idée de George séduisant sa fiancée lui était douloureuse. Il y avait aussi le souvenir de George, blême, les dents serrées, qui refusait de répondre, de donner sa version de l'histoire, qui refusait de se défendre. Et finissait par tirer en l'air avant de fixer Luc, qui visait le sol. Et de s'effondrer enfin sans un cri, touché à la poitrine. Luc prit une profonde inspiration, il n'avait jamais revu son frère. Un autre souvenir, jusque-là oublié, lui revint brusquement. 6 mois environ après le drame, il avait reçu à Paris un paquet qui contenait une grosse somme d'argent et une simple carte portant la signature de George. Luc l'avait retourné à l'envoyeur sans un mot. Rameau d'olivier auprès du sang, il n'en savait rien et il avait préféré effacer l'incident de sa mémoire. Toutes ses propres lettres adressées à son père ou à sa mère lui avaient été réexpédiées de la même manière. Il était chassé, banni. Et voilà que, ironie du sort, tout lui appartenait, dorénavant. Il revenait en tant que duc de Arundel, vers des responsabilités qu'il n'avait jamais souhaitées, vers Henrietta, la veuve de son frère. Instinctivement, il concentra son attention sur le présent. Anna, assise près de lui dans le carrosse, regardait tranquillement le paysage. Il lui aurait pris la main si Agnès n'avait été installée en face d'eux, et il fut heureux que sa présence l'empêche de céder à ce ridicule accès de faiblesse. La jeune fille, malgré les protestations de Lady Stern, avait choisi de quitter Londres en même temps qu'eux. Elle était timide, la vie mondaine ne lui convenait guère. Luc avait également envoyé chercher l'autre sœur d'Anna, sachant que son épouse s'inquiétait de l'avoir laissée seule si longtemps. Son présent, son avenir, 3 jours avaient passé depuis qu'Anna l'avait supplié de l'emmener à Bowden, et il était désormais presque certain qu'elle était enceinte. Elle sentit son regard sur elle et lui adressa son radieux sourire. Elle était de nouveau détendue malgré la fatigue du long voyage et il s'étonnait qu'elle eût manifesté une si brusque aversion pour Londres, alors qu'elle y évoluait avec un apparent plaisir. Que sa compagnie était recherchée dans tous les salons, elle avait été prise d'une sorte de frénésie, pressant les domestiques de hâter les préparatifs de départ. Peut-être faisait-elle partie de ces personnes qui, une fois leur décision prise, tiennent à la mettre à exécution plus vite. Nous allons traverser le village dans quelques minutes, l'informa Luc. Nous sommes presque arrivés. Tout excitée, elle s'avança sur son siège pour mieux regarder par la vitre. Ils ralentirent afin de ne pas risquer de renverser des piétons ou des animaux domestiques. Et Luc fut presque choqué de voir à quel point rien n'avait changé. À quoi s'était-il attendu? Bien sûr, en 10 ans, l'endroit était resté le même. Ce qui avait changé, c'est qu'il était devenu duc. Jeune homme, il n'attirait guère les regards. Cette fois, bien qu'il n'y eût pas d'armoirie sur le carrosse, les villageois couraient se planter sur le pas de leur porte pour assister au retour du duc de Arundel après une si longue absence. Malgré sa surprise, Luc se pencha afin de saluer de la main tous ceux qui lui adressaient gestes de bienvenue et sourires chaleureux. Anna rayonnante le répondait aussi. Cependant, il se radossa dans la banquette quand ils arrivèrent près de l'église. Non, il ne voulait pas la voir. Il comprit qu'il y avait dans sa peur du retour plus que les souvenirs, plus que Henrietta. Il y avait dans le cimetière les tombes de 2 hommes qui n'avaient eu ni l'occasion ni la volonté de lui pardonner. Il fut soulagé quand ils franchirent l'impressionnant portail qui ouvrait sur le parc de Bowden.
Les villageois ont dû entendre dire que leur ravissante nouvelle duchesse arrivait, dit-il. Ceux qui se tenaient de votre côté de la rue vont adorer se vanter de vous avoir vu. À mon avis, rétorqua-t-elle gaiement, ils voulaient plutôt constater l'influence que Paris a eue sur vous. Oh, ces arbres, ils sont au moins centenaires, n'est-ce pas? Regarde, Agnès, un dun, non, une harde entière. Comme il fait bon ici, dans cette ombre. Pour Luc, la dernière fois qu'il avait parcouru cette allée, c'était comme la nuit noire. Ils avaient déjà dépassé l'endroit où Doris l'attendait en larmes. Les deux sœurs ne purent retenir une exclamation extasiée quand ils quittèrent le couvert des arbres pour déboucher sur le parc proprement dit. Le pont de pierre sur la rivière, les immenses pelouses, les terrasses du jardin à la française, regorgeant de fleurs multicolores, et la demeure elle-même, d'une splendeur imposante, avec ses tours, ses fenêtres, un monceau, son mélange de styles. Luc eut de nouveau la même impression. Rien n'avait changé. C'était hier, il y avait un siècle. Le carrosse franchit le pont, se dirigea à travers les massifs vers la plus haute terrasse, les marches de marbre, les vastes portes qui étaient déjà ouvertes en grand. Luc sauta à terre et aida sa belle-sœur et son épouse à descendre. Anna, rose d'excitation, ouvrit des yeux émerveillés. Elle posa la main sur le bras de son époux. Luc était incapable de prononcer un mot. « C'était l'instant le plus difficile de sa vie, » se dit-il. « Non, l'un des plus difficiles. » Il la fit entrer dans le vaste hall, lambrissé, de chêne, avec ses portraits d'ancêtres, les deux massifs cheminées qui se faisaient face, les domestiques attendaient en rang de chaque côté de la porte, pour saluer leur maître et subir leurs inspections. « Une attention de la duchesse douairière ?» se demanda Luc. L'ancien majordome, Cotte, salua, toujours aussi raide, et présenta à Luc la nouvelle gouvernante, Madame Wynne. Luc présenta en retour la nouvelle duchesse et Lady Agnès Marlowe, puis en compagnie de son épouse, il passa entre la haie de serviteurs au garde-à-vous, tout en les observant avec curiosité. Comme Luc s'y attendait, Anna se montra à la hauteur. Elle sourit à chacun, prit le temps d'adresser quelques mots à tous. Malgré la lassitude due au voyage et à son état, elle ne bâcla pas ses devoirs, donnant l'impression qu'elle était enchantée de devenir la maîtresse de Bowden Abbey. Luc avait bien choisi. Elle accomplirait ses tâches avec grâce et efficacité. Il était fier d'elle. La famille est réunie dans le salon au premier étage. « Votre grâce, » dit Madame Wynne, quand la tournée fut terminée, « souhaitez-vous vous retirer auparavant dans vos appartements ?» ajouta-t-elle à l'intention d'Anna. « Nous préférons les saluer tout de suite, » répondit-elle avec un sourire interrogateur en direction de son mari, qui acquiesça d'un signe de tête. « Mais Lady Agnès aimerait sans doute se reposer un instant. » Agnès eut l'air grandement soulagée. Madame Wynne les précédant dans l'escalier à double révolution. Luc se sentait de semelles de plan. Il était chez lui. Sa famille l'attendait en haut, sa mère, qui s'était détournée de lui au moment où il avait le plus besoin de son amour, son frère, qui l'avait humilié, sa sœur, dont il avait brisé le cœur, bien qu'il eût connu la même souffrance, Henrietta. Et dans le cimetière, reposaient son père et Georges. Bien qu'ils se fussent quittés quelques jours plus tôt à Londres, l'accueil fut empreint de la formalité requise. Luc baisa la main de sa mère, rendit à Ashley son raide salut, s'inclinant en réponse à la révérence de Doris. Anna se montra plus affectueuse, s'enquit de leur voyage de retour, raconta, amusée et ravie, l'enthousiasme qu'ils avaient déclenché en traversant le village. Mais il y avait dans la pièce une autre personne, qui se tenait en retrait, tout en observant la scène. Luc avait intensément conscience de sa présence depuis qu'il avait mis les pieds au salon. Il ne l'avait pas encore regardée, pourtant il savait qu'elle était aussi petite, fine, délicate que lorsqu'elle était jeune fille. La duchesse douairière la présenta enfin à Anna. « Voici Henrietta, la veuve de mon fils aîné, Anna, » dit-elle avant de se tourner vers la jeune femme, « la nouvelle duchesse de Arundel, Henrietta. » Luc se résigna enfin à lever les yeux sur elle. Son ravissant visage, en forme de cœur, n'avait guère vieilli. Ses yeux bleus étaient toujours aussi clairs et elle était fort élégamment vêtue. La voix musicale qu'il se rappelait si bien le bouleversa un instant. « Anna, » disait Henrietta en lui tendant les deux mains, « vous êtes ravissante, mais ce n'est pas étonnant de la part de Luc. J'avais hâte de vous connaître. Je suis ravie d'avoir une nouvelle sœur et une nouvelle amie, j'en suis sûre. » Anna eut un rire frais. « Vous êtes si jeune, Henrietta. Je ne sais pourquoi j'imaginais quelqu'un de plus âgé. Oui, nous sommes sœurs. J'ai donc deux nouvelles sœurs et un nouveau frère. Quelle chance !» Henrietta affronta enfin le regard de Luc, et tout le reste disparut pour lui.
son amour de jeunesse, cet amour qui lui avait été si cruellement ravi. Elle aurait dû être son épouse depuis au moins 9 ans. Ils auraient des enfants à présent, Henrietta. Elle se dégagea doucement de l'étreinte d'Anna pour lui tendre les mains. Luc, il y a si longtemps, on m'avait dit que vous aviez changé, mais vous êtes 10 fois plus beau que le jeune homme d'autrefois. Bienvenue à la maison, mon frère. Il porta à ses lèvres les doigts de Henrietta, où brillait la bague de Georges, reconnut leur chaleur, leur texture. C'est bon d'être de retour, mentit-il avec un art consommé. Ah, voici le thé, s'écria sa mère, le ramenant à la réalité. Voulez-vous que je m'en occupe pour aujourd'hui, Anna ? Anna, sa femme, sa duchesse, il avait presque oublié l'espace de quelques minutes. Il alla s'asseoir à ses côtés et se réchauffa à son sourire tandis que la douairière servait le thé. Ils restèrent une demi-heure au salon et parvinrent à conserver comme une famille normale, mais ce n'était pas, se dit Luc, une atmosphère parfaite pour une jeune épouse. Anna s'en sortit pourtant au mieux, toujours brillante, vive, charmante. Elle arriva même à soutirer quelques sourires à Ashley et à Doris. Finalement, Luc n'aurait pu espérer mieux pour son retour. Il avait survécu à la rencontre avec Henrietta, bien qu'il la trouvât plus séduisante encore qu'autrefois. Le duc et la duchesse occupaient les appartements de maître en façade, alors que la plupart des autres chambres donnaient sur l'arrière de la demeure. Luc rejoignit son épouse dans sa chambre après être passé dans la sienne, et il traversa l'antichambre où des servantes étaient occupées à ranger les affaires de leur maîtresse. Elles plongèrent dans de profondes révérences. Anna se tenait à la fenêtre, et elle se retourna en souriant à l'arrivée de son mari. « C'est d'une beauté à couper le souffle, Luc, » s'écria-t-elle. « Si j'avais su, je vous aurais demandé de m'amener ici plus tôt. » Il prit ses mains dans les siennes. « Bienvenue à Bowden Abbey, Anna. Bienvenue chez vous, ma duchesse. » Les yeux d'Anna s'emplirent de larmes. « Chez moi, oh Luc, vous n'imaginez pas à quel point cela me rend heureuse. Jamais je n'avais envisagé d'avoir un foyer à moi. Je pensais vivre avec mon frère jusqu'à la fin de mes jours. » Il faillit la prendre dans ses bras. Elle avait aidé à surmonter l'épreuve du retour et elle était heureuse. Néanmoins, il lutta contre sa vulnérabilité passagère. Anna avait appartenu à quelqu'un d'autre comme lui. Mais elle, elle était encore capable de pleurer sur cet amour perdu, pas lui. Elle se contenta de lui serrer davantage la main. « Je ne pouvais permettre ce plaisir à votre frère, alors qu'il va lui-même prendre femme, » dit-il. Elle lui sourit. « J'aime bien Henrietta, » déclara-t-elle. « Je craignais qu'elle ne voie un inconvénient à ma présence, mais elle a été très gentille. Quelle tristesse de se retrouver veuve à son âge. J'espère qu'elle se remariera. Elle est si jeune. » Luc l'embrassa. Ne voulait pas parler de Henrietta, ni même penser à elle. Le baiser fut lent et tendre, ce qui alarma Luc. Ce n'était pas un baiser sensuel, mais chargé d'autre chose, d'un sentiment auquel il refusait d'attribuer un nom. Pour redonner à leur rapport la légèreté habituelle, il jeta un coup d'œil de biais haut. Nous célébrerons mieux ce soir notre arrivée à la maison. Elle eut ce rire cristallin et franc qui le charmait tant. J'aurais du mal à attendre jusque-là, votre grâce, répondit-elle mutine. Le désir rassurant venait enfin, familier, dénué de toute profondeur sentimentale, mais les femmes de chambre s'affairaient toujours dans la pièce adjacente. Maintenant que nous sommes à la campagne, il serait convenable de nous plier aux horaires en vigueur, ce qui signifie se coucher de bonne heure. De nouveau, le rire léger. Leur relation était revenue à la normale. Anna fut heureuse durant sa première semaine à Bowden Abbey. L'endroit magnifique était rendu plus accueillant encore par le soleil de ce début d'été, et elle était ravie de retrouver la campagne, loin des contraintes de la vie londonienne. Pourtant, elle avait bien aimé la capitale, jusqu'au bal masqué du Ranelagh. Ensuite, elle avait eu l'impression d'étouffer. Elle se sentit libre, à tort qu'elle n'échapperait jamais à Sir Lewis Bladen. Elle le savait, mais elle profitait pleinement du répit qui lui était offert, de cette illusion de bonheur. Cependant, l'humeur n'était pas toujours au beau fixe à Bowden. D'abord parce que Doris et Ashley y étaient revenus contre leur gré, ce qui les rendait moroses, hostiles envers Luc. Leur frère ne faisait rien pour améliorer leur rapport. Raide, distant, il ne prenait pas la peine de leur expliquer son attitude, de se justifier. Certes, il avait agi avec de bonnes raisons, mais sans amour. Anna qui n'avait vécu jusqu'à présent que pour... Les siens n'arrivaient pas à comprendre que l'amour fût si étranger à cette famille. À Luc aussi, mais elle préférait ne pas y songer. D'autres causes de tension étaient moins évidentes.
Si la duchesse douairière se conduisait envers Anna avec une certaine bonté, l'aidait à s'adapter à son nouveau rôle de maîtresse de maison, il n'existait aucune chaleur entre elle et son fils. Ils ne se parlaient guère, bien qu'ils eussent en commun le souci de Doris et d'Ashley. Même avec Henrietta, Luke était visiblement mal à l'aise, alors que la jeune femme se montrait charmante envers Anna. C'était pourtant la veuve de son frère. Avait-il haï George au point de ne pouvoir adresser la parole gentiment à celle qui avait été son épouse? George était certainement la clé de ce problème. Luke avait failli le tuer. Toutefois, il prétendait avoir oublié la cause de leur querelle. Comment Anna avait-elle pu le croire un instant? Le passé, quel qu'il soit, planait sur Bowden Abbey, comme un voile funéraire. Cependant, Anna ne pouvait poser de questions à l'un ou l'autre membre de la famille sans être déloyale vis-à-vis de Luke. Et l'interroger directement était impensable. Ils ne parlaient jamais ensemble de choses sérieuses, se contentant de partager des conversations badines. Et leur corps. Hormis cela, ils étaient presque étrangers l'un à l'autre. Alors comment aurait-elle pu s'enquérir de ce qu'il avait brisé? Car il avait été, Anna en était sûre. Il était différent 10 ans plus tôt, Doris l'avait dit elle-même. Malgré tout, elle se sentait légère, libre. Ses relations avec Luke étaient plaisantes, à condition de se satisfaire de leur superficialité. Il avait honoré comme promis le soir de leur arrivée, puis il avait déclaré qu'il devait refréner un peu ses appétits compte tenu de l'état de son épouse. « Je devrais arriver à me contenter d'une fois par nuit », avait-il dit. Et il avait tenu parole. Anna aurait pu en être dépitée, car ses désirs n'avaient rien à envier à ceux de son mari, mais il n'en fut rien. Cette décision sous-entendait qu'il se souciait de sa santé, ce qui la touchait infiniment. Presque comme s'il l'aimait. Sur un certain plan, elle était tentée de le croire. Puis elle commença à l'accompagner dans ses promenades matinales. Lorsqu'elle le suggéra, il éclata de rire, persuadé qu'elle n'arriverait pas à se lever assez tôt. Et la première fois, elle fut indignée de constater qui lui avait fait seller un vieux cheval de retour. Il s'amusa de sa colère et fit changer sa monture. Ses chevauchés devinrent rapidement leur moment d'intimité privilégié. Ils bavardaient, plaisantaient, souvent. Luke restait derrière elle pour admirer sa splendide assiette, prétendait-il. Un matin, ils firent la course pour rentrer à l'écurie, et il la laissa gagner d'une courte tête, bien qu'il prétendît qu'elle avait bel et bien été plus rapide. Toutefois, quand il la déposa à terre, il déclara qu'il n'y aurait plus de compétition de ce genre jusqu'à ce qu'elle ait couché. Elle et son fils ne devaient pas prendre de risques. « Où votre fille ? » objecta-t-elle en souriant. « Surtout si c'est une fille, » dit-il, « de constitution délicate, contrairement à sa mère, elle craint peut-être la vitesse. » Il ne voulait plus lui faire l'amour qu'une fois par nuit. Il lui interdisait de galoper ventre à terre. Cela ressemblait bien à de la tendresse, et c'était merveilleux. Henrietta devint l'amie d'Anna, qui s'en réjouit depuis quelques années. Elle n'avait guère eu de temps pour l'amitié, tout absorbée par ses soucis familiaux. Ce fut Henrietta qui, le lendemain de son arrivée, lui expliqua comment fonctionnait la maisonnée, lui fit visiter la demeure de fond en comble, lui montra les livres de Kant, l'accompagna à son premier entretien quotidien avec Madame Wynne, et elle affirma qu'elle n'était pas du tout ennuyée de lui passer le flambeau. « J'ai pris plaisir à assumer mes fonctions de duchesse, Anna, » dit-elle, alors qu'elle se promenait dans les jardins. « Je le reconnais, mais ce n'est plus... » « Vrai, depuis la mort de George. Et voyez ce que je gagne en échange d'une légère perte d'autorité. Le retour de Luke, votre amitié. Il y a si longtemps que je rêve d'avoir une amie, sans compter Agnès qui est adorable, et Émilie qui ne tardera pas à arriver. Je suis sûr que je l'aimerai aussi. Peut-être vais-je enfin être heureuse de nouveau, » ajouta-t-elle en serrant affectueusement le bras d'Anna. « J'y crois de toutes mes forces. » « Oui, Anna pensait la même chose. Au fil des jours, parfois elle aussi croyait pouvoir être heureuse de nouveau. » Pourtant, elle ne parvenait pas à chasser de son esprit les paroles qui hantaient ses nuits. « N'oubliez pas que je vous prête seulement au duc de mon plein gré. »